Bonjour Kono Tati. Bonjour Ndeko journaliste. Kono Tati, vous avez moko ya bayi melobeli ya parti cher ya mona mboka fer tot tsekedi ou être même la partie UDPS ou le lieu to beta banalise ou concerner la République démocratique du Congo ndé ni ozo se dérouler na entièreté na mona mboka. Avant na kota na sijera mko le mona mboka Tati, bonne pour la santé politique ou la République démocratique du Congo. Merci Ndeko journaliste. Ndenge na lobaka toujours to za na esengo. Il y a koya ko partager makanisi pour na Italie mboka na biso République démocratique du Congo pe très cher parti nanga UDPS Tshisekedi. Tozaka kana Congo moko Congo na biso tozana devoir ya ko bundelela yango tozana devoir ya ko lobelela yango pour été monde entier eyeba que le Congo c'est un grand pays et un pays où il a solution n'a pas problème ebele yamboka yamboko banda émission na pesimbote ebele na son excellence monsieur le président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo bongo alakisi biso que avec un peu de volonté mboka oyo ekoki kokende musika na masolo ya francophonie et puis na ba domaine union suitika ah francophonie amene comme lokola moi écoute bien la chef de l'État hein? Bien sûr les a bilan parce que mutu mokote même naba oyo entre guillemets ba bibenga ka ba opposant bandimi ke musala et salemi malamu c'est ça en fait l'esprit de la nation tant onde ko sali musala oyo est contribué pour la visibilité pour l'émergence ya mboka il faut que batunio tout bazala derrière et ko soutenir ye pour na intérêt ya Congo pe ya ba congolais donc quand avant vrai une francophonie quand vous dites que ça pour l'intérêt mboka et que bien mboka na essa zo ko souffrir vous ici à Kinshasa vous faites qui francophonie donc on a dit que pourquoi pas de boycotter qui en ont le thé pour na kula ça à la monde entier que les Congo RDC est agressé mais ndeko oyé bisanga été que ce qui yo zui matanga na famille na yo nde ekosenga yo même otambola lisusu na bilambate on dit que là où chez la France ça brille on fait pas la fête ata ozana likambu na famille na yo ata ozana likambu na entourage na yo et pesa yo possibilité de arrêter de vivre ça veut dire on continue de vivre mais en se battant pour trouver des solutions n'a pas problème wana o isa ko se présenter to bosani bandeko ya STT toza de cœur na bango mais tout cela contribue na visibilité ya mboka pour que le regard ya ba communauté internationale ezala tourner vers la République démocratique du Congo pour que to luka solution définitive na guerre wana ya est. Merci beaucoup Namboka, tu vas na francophonie qui est directement dans le camion de la guerre. On est Namboka, tu es comme on a chef de l'État, ainsi que convoqué table ronde, notable et tout, où il y a parti Est et République du Congo, pour concernant l'évaluation et l'état de siège Namboka. Tu es comme on a été qui est un peu politique, évaluation et où ça par rapport à l'état de siège, pourquoi Bik état de siège pour aller dans la basse évaluation. Bon, évaluation, Mouké, tu vois que ça a un état de siège. Les alliés étaient Eoumeli. Trois ans déjà. Oui, deux ans. Deux ans. Oui, Eoumeli, Yango et Sengela qui était table ronde au Mokondia Boka Bengisi et Zala organisé pour que les Congolais, les Vanda et Sika Mokoba Meka, Kota la Ndengenini, soit qu'on lève, soit qu'on continue l'état de siège. Voilà. Mais sinon, ils ont un côté positif et un côté négatif. Un côté négatif, c'est qu'on n'a pas pu, avec l'état de siège, récupérer l'intégrité territoriale dans la zone où ils là, vous reconnaître. Ça, c'est une réalité. Mais du côté positif, c'est qu'on n'a pas encore perdu, je voulais dire l'intégrité territoriale, c'est-à-dire que bien que la zone wana est assiégée, mais le phare de Sénabiso va continuer Bitumba pour bien sûr récupérer
quelques localités. Et puis, côté Kaka Kamboka Nabiso, bien qu'occupé, mais ils ont toujours na combo ya République démocratique du Congo. Parce que ça, état de siège, on a beaucoup qui déjà annexé yango dans les pays voisins. Mais avec état de siège, on ne l'a pas récupéré, Nyonso bien sûr, mais au moins, ils en ont encore Mabele à Congo jusqu'à preuve du contraire. Donc, était tel sur le tout Torendo, il y avait beaucoup d'oyo et diminuer l'hémorragie à entrer avec un 23 dans la zone Moussous. Effectivement, et diminuer l'hémorragie à M23 et diminuer sortie à la minerai Nabiso. Vous voyez bien que Nabiso n'est pas en contact, mais. Voisin de premier producteur, il y a des minéraux parce que passoire est là qui facilement des minéraux qui sont bima et qui n'est pas la bango, bango ba teki bimi ya bango. Mais avec l'état de siège et kati hémorragie wana, donc ils ont un côté positif, il y a état de siège. Et puis, si vous remarquez aussi, au moni ba vidéo où il y a circulé, il y a bazo katabatumitu, bazako bomba, tout le monde a lissou sous ba vidéo wana te. C'est grâce à l'état de siège que Koukou Fayaba Congolais Ndenge Zalaki n'a pas manière moko, en tout cas très désapprouvante, et ça les maka les sous-souté. On ne dit pas que le loba congolais va se koufater, c'est ce que nous déplorons toujours, mais on est sûr que avec le chef de l'État, un avenir, mon reproche, et Roti Galagara, mauvais souvenir. Merci beaucoup, Mboka Tati. Tout ça, mon analyse que, concernant l'état de siège au chef de l'État, Azo, ça l'évaluation en gros. Au cas où. État de siège des alliés enlevés, Balongo Liango, quelle sera la suite? État que non, qui m'a vraiment écouté dans l'Est-Nante, vraiment, mon Mboka Tati? Je pense, en tout cas, chef de l'État, il m'a dit. Tu as écouté dans le mécanisme, mais quand même, nous sommes en train d'analyser. Il y a une orientation, il n'y a qu'au soir, si et seulement si que l'état de siège des alliés. Mais bon, moi, je le vois peut-être. La position avec déjà la restructuration de notre armée. Si vous remarquez, l'armée a été dotée de nouvelles tenues. Donc, pour te dire que la tenue n'a pas été utilisée, vraiment infiltrée, on peut s'en même à M23. Donc, je le vois dans la position à déclarer guerre à Rwanda. Et cette fois-ci, ça sera sans merci. Déclaré à Rwanda, toujours le discours de Mboka, qu'on vous aura toujours notre armée est infiltrée. Et vous êtes prêt à déclarer roi avec guerre à Rwanda? Est-ce qu'il n'y aura pas ici le discours d'infiltration dans la armée, Mboka, au cas où? Je pense que ce problème-là est puni et Zala qui tant soit peu résolu. Chef, à Zala qui va mise en place dans l'armée, à Zala qui va mise en place sécurité nationale, hein, au Conseil national de sécurité, ANR, qui a été récemment. Et puis, tout le monde a dit que les gens sont fardés, sont vaillants, qui sont toujours derrière Bango pour que les ennemis hors du territoire. Tout le monde a dit que les gens ont une formation. Kitaki awa na Kinshasa to monaki carnaval ya ngolo ko zora sirimina ngwana ke bo ngeta de tete parce que vous déclarez que bi ke armé na biso siko est suffisamment restructuré et puis assez équipé to monaki le VPM Jean-Pierre Bemba kendaki ko somba mandoki. Donc je crois que cette fois-ci nous sommes vraiment prêts à nous battre avec le Rwanda et d'ailleurs to bundate potolonga po Tromundane na elonga po Congo eza eloko makasi. Mais mon Mboka Kodontati, quand vous dites que état de siège ils a moko o diminuer morachi, mais nanga moya 123 basi pour la terre, mais c'est comme si bazali toujours mais silence au sein de 123. Qu'est-ce que 123 est en train de préparer? Parce que souvent toujours na Wilingoma sur internet, sur des réseaux, ces moments en temps ici Wilingoma disparaît. Dans les réseaux sociaux, vous connaissez tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Rwanda est, comment dire, M23, il est en train de préparer par rapport à. Parce que tous les autres, moi, silence, moi, je suis en train de préparer. Peu importe ce que vous avez préparé, là, l'État est engagé, mais je pense que ça a déjà un écho que le Congo est en train de se relever et puis l'armée est suffisamment forte pour que Ebouté Bango. Hors territoire congolais. Et yango na sur baza déjà na mobe inquiétude, yango moni pe communication na bango po bango baza la makasi côté wana et za moi mouké diminuer. Il va changer méthode peut-être. Mais la méthode d'union soit na te concerner yango pe te ko neutraliser bango. Merci beaucoup mon Mboka Kodontati, tu parlais ba mouké sur guerre est sur plan international.
Tous ceux qui Rwanda, alors qu'à Grèce, RDC, ne comprennent mais dans le comité international, apparemment, silence total. C'est comme si Rwanda a bénéficié de quoi avantage. C'est comme si l'avantage est en cours à l'Union européenne vis-à-vis de Rwanda. Comment vous êtes-vous en train de voir ça, Mme Mboka? C'est pour cela, avec la diplomatie agissante du chef de l'État, de remarquer Bissomogo que le Congo a répondu. Parce que bientôt, la Rwanda a bénéficié d'un avantage d'autre temps à Congo, mais bientôt là. Sa place dans le Conseil des Nations. Mais malheureusement, Bandeko Odion Souto Betaki Mbele Panabango que le Rwanda a agressé la RDC, Basali semblant Yakobo Yako comprendre réalité Wana. Donc, tu as dit que Baza Bali est un privilégié, alors Bissoto Sali déjà, oh, et Sengela qui tout ça, la tout la qui sa que, tout ça agressé. Donc, le loso qui toko bunda, moutou mon côté a condamné Bissot, qui a attaqué minorité, pour yébi bango balé la ramingi, et bah tout si baza minoritaire, bilo koana, bah se kouvaka derrière, et moi surtout, bah la tsape communauté internationale, génocide y a 1994, alors que auteur n'a mou zalaraye mon kokagani. Donc, je crois que communauté internationale a qu'on assumé na engagement au azo zoya ko appuyer Rwanda parce que biso au union so aux allons devant il y a nzela na biso tokoleka parce que Congo il faut garder intégrité n'a pas un seul centimètre au Kenya et pas à Bangoula. Tant que le matin génocide mi clôture sur le Kawa il y a qui journée au Holocauste c'était le 2 août mais la journée au Bayembo kabakufa ebelé plus de 900 quelqu'un de morts. Oui, tout ce que on a, c'est comme Holocauste. Mais au niveau comité international, ils ont non considéré. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais à Rwanda, je ne sais pas, ils ont toujours considéré. Pourquoi chez nous, ils considèrent ça par rapport à Holocauste, n'est-ce pas, Mboka? Dernier cas, le lobby des journalistes, c'est que le 2 août, à Rwanda est agressé à Kongo, côté à la ville province de Kinshasa. Mais quand on est au lobby, communauté internationale, souhait naïe zalaka moko, Congo zala toujours déstabilisé pour y profiter, à gagner ma matière première, à gagner ma bien tout au Nzambe à Pesa na Congo et comme à Bango. Bon, ce qui m'a lingi bisoté, le mois que j'ai dit que Biso toza mboka oyo ezalaka na maboko ya Nzambe ndenge chef de l'état si abonza yango atike la mokonzi na biso tata Nzambe trône yenda dirige mboka oyo bolingo ya Nzambe esifir po na biso ba congolais pour le reste là en tout cas et engagé kaka bango moko ba sepela ba considéré ou pas nous savons que le 2 août nous avons perdu beaucoup de congolais et nous nous sommes inclinés na journée wana pour la mémoire ya bandeko batika biso. Merci beaucoup Namboka. Te parler sur l'élection 2023. Tout le monde qui chef d'État, mon Namboka fait des séquelles dans Ngambo et Brésil. Voilà ce qu'on promet à Namboka. Il y aura les élections en République démocratique du Congo en 2023 décembre. Mais Ngambo et Bayi, SSC na Ngambo Senko catholique, parce que vous êtes toujours audit et affiché électoral, mon Namboka. Est-ce que vraiment il faut simba mon Namboka parce que tu es église catholique et Alipé Moko a peine moi na moi a dit concernant moi République moi moqué parce que ça a complètement sébélé mais n'importe quoi c'est un fichier électoral pourquoi catholique n'a insisté pas d'insister toujours fichier électoral cela veut dire il y a un quoi que là-bas autant de mon Namboka parti et tati en fait lui son nom surtout il dit que Bandeko wana baza antichambre il y a parti au tobe na rabongo ensemble. Et puis il y a Otobenga ka opposition, il y a Pété, il y a Bandeko na biso ya Lamuka. Toyebi parce que tout le monde a bango na ba photo, tout le monde a bango na ba vidéo tout le temps na kachobwe. Et si ka oyo bakenda kozwa moi kanyaka, toyebi yango malambu bazana ba agenda caché. Ba agenda wana eko réussir té na Congo. Le Congo est prêt d'aller. Mais on ne pas singi fichier électoral, c'est la vérité là bas, ils ont ba agenda caché. Élection et causala. Audit y a fichier électoral ici et Salima. Est-ce que Bango Bazan a qualité? Y a Kosenga audit y a fichier électoral. Il faut commencer par là. Ont-ils qualité? Y a qu'au auditer fichier électoral. Mais dit bah constater y a une fraude. Y a un gros monique Bazengi audit a fiché le gars. Que élection et causala. Babo Ngama le 20 décembre ma ponami Ezali. Mais en face na Bango.
il y a la machine politique qu'on appelle UDP. Non, vous, pardon, pour UDP, vous avez une élection parce que vous gagnez déjà en avance, mon Amboka. Parce que vous avez appris, nous nous sommes préparés aux élections depuis le premier jour au chef de l'État, à cela qui est remise et reprise dans le mois de janvier, il y a le 24, je crois, 2019. Donc, tout de suite, il y a eu l'élection que l'élection est causée là, il y a 5 ans à mandat à chef de l'État. Donc, tout s'est préparé qui en conséquence. Donc, tout y a eu que tout le polaté. Parce que nous avons une grande base. Base où il faut être chef de l'État en 2019. Le lot Bazouana et Kopesaïl est sous deuxième mandat et la majorité. 499 députés Mawezate. Tu sais que DCV a décevoir Bayimboka Congo, Mwanamboka, parce que si ce qu'il n'a pas bilan à présenter dans Bayi Kongomani en 2023, Mwanamboka. C'est faux, Ndeko. C'est faux, Ndeko, journaliste. Wana na habité sur Zoloba comme Moutou antichambre ya. Non, parce que il y a un bilan largement positif. Tu sais qu'il y a des décevoir. Tu sais qu'il y a des décevoir qui population. Félix Yébela, deuxième mandat, Isali. Hein? La francophonie. Vous êtes sûr que cette population-là est issue? Bon, tant que bon, papa Yaki, Zaki Nini. Hein? Bon, tant que papa Yaki, Félix Yébela, mandé Sili. Pape Zaki avant. Pape Zaki avant, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Baby que deuxième mandat est allé. Bostermanitagi peuple wana malamboka. Bostermanitagi peuple wana. Peuple. Oh le but malamboka qui s'est kabou ya. Yango bosala qui est fort ya sensibiliser. Par le dire et pas ya pape que Félix Yébela deuxième mandat est fini. Aye qu'on continue. Na l'histoire à Kolobake. Félix Yébela deuxième mandat est allé. Donc on comprend la logique. Il y a peuple. Peuple le lot a approuvé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi parce que en face naie. Moutou Azate. Nous sommes sûrs et certains que la population a vu des réalisations du chef de l'État. Azomona yango population a député. Population les lois à population du Soussou oyo to bako kosate. Ozolan ba o baza prêté na ba élection de bazo na discours wana bazo luka dialogue. To vanda to solo la to ko solo la té soki ba élection. Ma pour que luka ma pour des moments très crédibles mon amour, il faut que solo la mon amour. Té ma ponami eza déjà na ba cadre na yango. O ici salema. Tu es bien que to fait ça. Zela na 5 ans et na semi. Oyo ma ponami ko salema, to yebi que to fait ça déjà mandat na CENI pour l'organisation de l'élection. Dans le cas de CENI, ils ont des composantes, ils ont des oppositions, ils ont la société civile, ils ont la majorité, n'est-ce pas? Donc, ils ont déjà la plénière où ils ont la CENI, où ils ont un cadre de concertation pour organiser ma ponami et la malam. Ce que vous avez créé, c'est ce cadre de l'Ibanda. Pourquoi? Et vous avez sur quel soubassement légal? Voilà les abattistractions. Ma bongama, la décembre élection des années. Merci beaucoup, Mme Bogatati. Au lobby élection des années, tu as parlé sur UDPS. Au-dessus, comment déjà, Congrès allemand qui déjà, oh, pour n'aimer Mme Bogatati, Hubert Mukuna, président parti. Nani? Hubert Mukuna. Nani de sous. Président parti UDPS. T'es un biso président, un biso y a parti, et Azala Kakamoko. Depuis 2018, président y a parti, et a. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh. Mon amour, le congrès à Maki, na niveau centre Bondeko, mon amour, que siège n'a à partir de la 11e rue. Bah, parce que ici Kabouya a se camparé na pouvoir, Kabouya est illégal. Augustin, oh, Tobin Arabongo, le monabouté du chef Soukoui 25 et le secrétaire général du parti. Oyo azana gestion ya affaire azana gestion quotidien ya parti donc yende mutu par rapport ya basise ya qui sent tout et puis ça qui est mandat à engager parti donc s'il faut faire appel na congrès le seul à le faire c'est le secrétaire général Augustin Kabouya c'est ce qui d'ailleurs va être fait bientôt à Robeni sa congrès Oyo et Rosalana, un seul point inscrit à l'ordre du jour. Oezali Bongo, entérinement, il y a candidature, il y a chef de l'État comme candidat président de la République. Il y a UDPS. Nene Bongo, résolution, Oebimaki Nakisantu, le lot Oyo, Nakati, il y a Congrès, Wana, Tozo, entériné. Candidat Nabiso,
fachi béton. Mais tu n'as pas dit que tu as 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 dit que pour votre information, sache qu'il ne fait plus partie du parti il y a très longtemps. Donc, article 5, il y a statut Nabiso et empêcha que Moutounion Sou Oyu Aza déjà exclu du parti à engager parti. Donc, si Kabilo Koran est la distraction, Wana Baza Batou Oyu Baza Soudoyé et pas Yaba Menoua, où ils allaient toujours la quête, il y a pour déstabiliser UDPS. Mais Bakolongate, UDPS, Biso Nyonso, tous a aligné derrière le chef de l'État pour topé sa deuxième mandat na majorité écrasante et Longo na le meilleur secrétaire général Augustin Kabuya qui sera le meilleur élu de la République démocratique du Congo. Bon, en Boka, la course élection 2023, UDPS a engagé combien de candidats na député national? Pour l'instant, la liste est provisoire, il y a CENI, tous a 459 députés, mais ils ont qui bongo. Pas si on a bisoto accepté Yango, parce que le secrétaire général l'avait dit dans la matinée, oui, ça les mêla qui bisot dimanche, que biso ba candidat na biso nyonso to aligna qui 500, bazala qui n'a pas dossier na bango malam. Donc c'est ni, il faut revoir le 41, au bazala qui débarqué wana, pour que a harmonisé total ba dossier na bango. Pour que Bisso Mouroto s'est rassuré que ma dossier n'a pas été malade, mais pour pas débarquer. Apparemment, vous êtes troisième dans la haut, vous êtes troisième, mais je crois que normalement, il fallait tous en premier parce que Bisso s'est préparé qui déjà depuis longtemps. Ma dossier, ma candidat, n'a Bisso Nyonso, et là qui en bonne uniforme. Donc, tu as sûr que ceux qui s'est mis à revoir, tu as la bongo premier parce que nous sommes la première force politique de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mon amour, à Kodon Tachi. Tu as dit que 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 tu Mukona lelo ba imbo kabo retenir que élection ekozala bongo na 2023 décembre bien sûr. Topé ça maboko mingi na chef de l'État parce que il dans la vision ya malamu ya kokumba mboka oyo. Toye ba que onyonsu bandeko oyo de gauche à droite bazo sala makelele oyo dito tout ça nyonsu ene za ba distraction parce que baza prêté ya okende na ba élection. UDPS des après il y a un sengi na base na ma base na miso nyonso ba combattants et combattants nyonso bo mobiliser bo sensibiliser pour que cette fois-ci chef de l'État à côté la deuxième mandat na la majorité moro confortable pour mettre en place politique na miso il y a une épaisse to pesi mbote e belé na ndeko secrétaire général Augustin Kabuya le meilleur et le vaillant oyo biso le collectif des présidents cellulaires, la cellule nouvelle génération, tous a aligné et surtout qu'il est candidat député national na Moamba, Moamba Mobimba, Kombo Eza Semoko, na députation nationale, il y a décembre 2023, Kabuya Chilumba, Augustin. Je suis un peu plus de temps. Merci beaucoup, Mme Boka Kodon Tati. Merci de vos journalistes.